Et bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Satisfactory. Et bienvenue pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode où on va faire 2-3 petites bricoles. Alors, j'ai décidé, en accord avec moi-même, encore une fois, nous n'allons pas totalement continuer la zone de tri. Je sais, ça fait plusieurs fois qu'on la repousse un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va bien arriver un moment ou un autre. Même si on a commencé un petit peu à faire les débuts et les prémices. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire un jalon, le nouveau jalon qui a été débloqué avec la version expérimentale et avec, entre guillemets, la, d'une certaine manière, la version, enfin avec la nouvelle version de l'update 8, nous allons faire le jalon. Là, je n'ai pas de bauxite. Si, mais elle est buggée graphiquement. Ce n'est pas grave. Ok, la bauxite existe, on le sait, c'est le plus important. Donc là, nous nous retrouvons donc pour un épisode où nous allons faire plusieurs petites choses en termes d'infrastructure en bas. Voilà, nous allons d'abord notamment, hop là, vider nos poches de tout ce bordel. Et nous allons faire, entre guillemets, un petit peu d'exploration, mais vous allez voir, c'est une exploration un petit peu faussée, entre guillemets. Je vous préviens, oh, c'est tellement joli. Ça, je tiens à rappeler que tout ça avance, ces petits cailloux-là, n'existaient pas du tout dans le jeu. Ou du moins, ils n'avaient pas du tout ce look-là. Ces bouts de bois-là, pareil. Tout ça, c'est, ils ont amélioré tout. Oh, c'est tellement plus joli. Franchement, c'est vraiment... Je suis toujours hautement satisfait. Bien sûr, je n'ai toujours pas vidé mon inventaire. Toujours hautement satisfait du travail qu'ils ont fait. Un travail de main de maître. En plus, ça me permet de voir un petit peu si le, si je vais pouvoir tenir la haute qualité avec le, avec ces effets d'ombre. Parce que là, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire entre guillemets de l'exploration, vous allez voir, c'est qu'on va surtout préparer quelques petits dispositifs. Un tant soit peu. Ah bah non, la bauxite est de retour, très bien. Ok, tac. Des dispositifs qui vont nécessiter de partir un petit peu en dehors de notre base en bas. Ok. Très bien. Alors, attends, c'est quoi ? Ok, très bien. Donc, cette fois, il va nous falloir, évidemment, beaucoup de ressources, comme très souvent. On va d'abord un peu se vider les poches là-dedans. Voilà, on va reprendre l'essentiel. Même limite, on va reprendre un conteneur. Généralement, c'est ce que je fais, hein. C'est je prends des conteneurs comme ça à l'appel. Je vide tout et je reprends ce qu'il me faut. Alors, il va nous falloir... Hop là, des poutres en acier, ça c'est une certitude. Donc poutres en acier. Le béton, oui. Du fil électrique, oui. J'imagine qu'il va nous falloir 54 tonnes de câbles. Où est-ce que je peux trouver toute cette quantité de câbles? Je ne sais pas. Là j'en ai. Pouf. On est pas mal déjà, on est pas mal. On va pas critiquer plus que ça, on est déjà pas mal. Alors, donc, il me faut donc de quoi faire des pylônes électriques. Ça, c'est une certitude. Donc, on va faire avec plateforme, hein, comme ça sera beaucoup plus simple. Alors, j'aimerais bien voir la taille un petit peu que ça a. Ok, ça fait globalement un peu plus large qu'une seule structure. D'accord. Alors, ça peut être assez intéressant, donc, à savoir ça. On va avoir besoin d'une quantité de câbles assez extravagante. Donc on va aller chercher tout ça ici, bien sûr. Encore une fois, ces conteneurs sont amenés à disparaître un jour. Donc on va juste y contribuer. Voilà. Et dans l'absolu, il me faudrait aussi quelque chose, mais que je n'ai pas là. Donc ce n'est pas grave, on va faire 100. Et aussi, on va un petit peu remanier ce que j'avais fait la première fois. Je m'explique. Donc on a cette structure-là, hein, voilà, avec la structure terrestre, entre guillemets. Où on va pouvoir avoir des véhicules qui vont... Enfin, des... On va... Non. Justement, la nuance va être là. C'est que
Initialement, je voulais faire une route à même le sol. L'idée est pas mauvaise, mais l'idée va être compliquée à mettre en place. C'est pour plein de raisons qui sont tout à fait explicites. Hein. C'est que bien sûr, ça va demander des logistiques et des... Enfin, ça va demander de suivre le... à même le sol les mouvements du terrain et ce qui peut être très peu pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu plus de ceci. Et nous allons prendre un peu plus de béton. Et nous allons remodeler un petit peu tout ceci à notre manière. Ce train-là va, je crois, définitivement dégager pour le moment. Pourquoi? Parce que justement, ça sera une route. Voilà, on va faire la route en hauteur avec différentes possibilités et différentes options pour y redescendre. Alors, j'ai pas pris de... Je vais prendre l'overpack au final, puisque je vais... Vu que je vais ramener du courant partout, ce serait pas déconnant. Hop là, je suis foiré. Hop là, tac, tac, tac. Pour l'anecdote d'ailleurs, on va bientôt, sûrement, probablement. Hop là, ça c'est mieux. C'est mieux en termes d'équipement. Tac, 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 je regarde un petit peu ce qu'il y a à côté. Bon, dans l'absolu. Voilà, ça c'est juste pour se défendre un petit peu à distance. On s'en fout un peu. Voilà, très bien. Donc. Quoique même, j'ai envie de dire, un des trucs les plus intéressants que je pourrais avoir n'est pas là. Où j'ai foutu ma tronçonneuse? Elle est dans une des machines? Probablement. La tronçonneuse, ouais. Bien mieux. Bien, bien mieux. Le scanner ne va servir strictement à rien. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, nous allons commencer à faire notre route. Alors pour ça, il va falloir dégager beaucoup de choses ici. Notamment ceci, on va le déplacer. On va... Hop là. Broyer du bois. Et vous allez voir qu'on va essayer de lier tout ça à un principe et à un concept. On va essayer de faire de manière propre. Ah oui, bah oui, j'ai pas de béton, ça. Enfin, j'ai pas de... J'ai pas de carburant, ça va pas bien le faire. Ici, on va prendre 38 de carburant. Ce sera déjà amplement suffisant. Voilà. Parfait. Et donc, on va essayer de réorganiser tout ça. Voilà. Donc, là... Alors, quoique, on va garder ça ici. Donc, tout ceci va rester comme ça l'était. Voilà. Donc là, nous allons avoir notre première plateforme. Qui, dans l'absolu... Tu auras juste la plateforme d'arrivage dans ce coin-là. Balabalaba. Je vais y mettre juste pour pouvoir y accéder une rampe, bien sûr. Voilà. On va tailler les buissonnes. Voilà, parfait. Voilà. Parfait, parfait, parfait. On commence à récupérer du bois un petit peu en quantité. Dans l'absolu, ce n'est absolument pas grave. Loin de là. C'était un peu le principe. Voilà. Hop, alors on va juste virer celui-ci. Voilà, voilà. Voilà, 1, 2, 3. Ah oui, je suis un peu plus reculé. Bon, niveau gestion électrique, là-dessus, on va essayer d'aller voir ça vite fait dans un autre temps. Et voilà, donc, ça c'est bien, mais c'est pas la, ce sera pas la, le niveau de la route. La route sera un peu plus haut. Pour ça, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais me démerder. Voilà, tech, tech, tech. Ça, c'est un conteneur qui va pouvoir dégager assez rapidement, même si, bon, pour le moment, il aura pas trop, j'ai pas trop la capacité de le dégager. Voilà. Voilà, voilà.
Voilà. Voilà, c'est bon. Déjà tout ça, c'est en moins. Maintenant, là va venir l'énigme de comment je vais me repérer pour faire cette route. Cette route, il faut que je la mette à une certaine hauteur. Donc là, je l'avais mis à une hauteur de 3. Est-ce que c'est réellement intéressant? Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je la mette à une hauteur de 4? Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est que l'idée initiale était bonne. Ok, donc on va faire. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Tac, tac, tac. Architecture. Grand pilier. Ensuite. 1, 2. Hop là. Voilà. Globalement, la hauteur sera ceci. Donc maintenant, je vais virer ça. On va remettre, alors, un sol. Bien sûr, on va remettre le sol, hop là, en asphalte. Pas besoin de mettre un sol aussi grand. On va prendre juste un de 2 mètres. Voilà. Voilà. Et le premier pylône qui est enfoncé dans le sol. Voilà, parfait. Et qui va pouvoir continuer à amener le début de la structure. Voilà. Donc ceci est le début de la route. Alors, il me faudrait un truc qui est en haut. Donc allons en haut vite fait. On va essayer de prendre tout hein, dès le départ, ce sera beaucoup plus simple. Mais globalement, ce que j'ai envie d'avoir là, c'est d'avoir les... merde. C'est d'avoir aussi les motifs. Voilà, tout simplement. Là, j'ai pas de quoi faire les motifs, donc on va essayer d'aller les chercher vite fait. Ça va pas prendre 2 secondes, hein. ça va être assez rapide, puisque je sais que t'en as dans la zone de stockage qu'on a produite. Et même avant ça, il y en a déjà. Nous, dans l'absolu, ce n'est pas un souci. Voilà. En plus, comme ça, on va pouvoir permettre de reproduire énormément de bois avec tout ce qu'on a fait. Donc voilà. Tac, 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 tac. Ça reste quand même très, 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 très sombre. Hein. Mais c'est pas grave. Le fait de pouvoir faire des jeux de lumière maintenant, ça va rendre ça beaucoup plus intéressant que ça ne l'aura été. Même si, bon, j'admets que ici l'éclairage n'est pas terrible. Là, l'éclairage, au moins, il est bien, même s'il est... Bah, il nécessite d'être proche, en fait. Et c'est bien le problème. Là, l'éclairage est totalement absent, mais c'est pas grave. Un ticket. Et voilà. 1, 2, 3. Parfait. Ce sera amplement suffisant. Dans l'atelier, dans le centre de tri. Hop là. Ça, ça, ça. C'est parti pour les reconvertir dans les ressources qui nous intéressent. Le désert rocheux. Hop, allons-y. Là, j'essaie de faire la route définitive. Hein. Qu'on soit clair, hein. Ce sera la route avec laquelle on pourra se déplacer sur toute la map. Allez, ralentis. Voilà, beaucoup mieux. Donc voilà. Donc, ça, c'est des plateformes. Il n'y en aura pas tous les 10 km, hein, très clairement. Loin de là. Mais c'est histoire d'en avoir... Une centrale pour le moment. Il y en aura sans doute à d'autres endroits, mais... Voilà. Donc là, nous allons pouvoir... Donc après ce temps de chargement de l'infini... continuer à réfléchir à par où je m'étends. On va... Hop là. Voilà. Alors, faut juste pas que je me fasse baiser par les... par les motifs. C'est-à-dire... Ouais, c'est ça, c'est le centré. Donc, il faut un chiffre impair. Hop là. Il faut un chiffre impair.
Et de toute manière, ça va être cohérent. Vous allez voir pourquoi. Mais globalement. Voilà. Ensuite, alimentation. Pylône électrique. Là. Voilà. Notre premier pylône. Je vais brancher à... La première chose que je peux brancher. Genre ça. Voilà. Et donc. Ceci étant dit, ceci étant fait. Je regarde hein, s'il n'y a pas moyen de gruger, mais non, ça va pas être. Je pourrais pas aller plus large que ça. Mais en vrai, ça devrait aller puisqu'on a de quoi faire passer un véhicule à chaque fois. C'est très bien. Ok, maintenant. Pour ordonner une idée globale. Je suis pas bien centré, c'est pas grave. On va remodifier ça. Ah oui. Évidemment, les coups. Le problème, c'est que mes raccourcis ne marchent plus. C'est une catastrophe. Je perds un petit peu de temps. Bon, c'est un détail, mais voilà. Alors, toi, tu n'es pas centré, donc... Tout le respect que j'ai pour toi, c'est bien, mais... Voilà. Très bien. Ensuite, je sais ce qui me manque. C'est ce qui me manque, je sais juste pas où le trouver. Je sais plus où le trouver, tellement ça fait longtemps que j'ai pas pointé mon nez ici. Non, ici c'était les vis. Voilà, des tiges. Vous savez très bien pourquoi j'ai besoin de tiges de fer. Pour la même chose à chaque fois. Oh, quoique, plutôt que de mettre des glissières. On pourrait mettre des glissières de sécurité, hein. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. On va remettre une glissière au milieu. Attends. On va le remettre. Ah oui, bloquer l'hologramme, c'est ça. Donc on va essayer de le... Donc là, voilà. Là, je suis centré, on est d'accord. Ah oui, mais... Ok. On va mettre ça dans le bon sens d'abord. Hop, bloquer l'hologramme. On vérifie que tout est à peu près parallèle. C'est bon, voilà. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien dans l'absolu. Voilà, maintenant, je vais essayer de mettre juste ça. C'est bizarre. Est-ce que les pieds ne sont pas de la même disposés de la même manière? Mais j'ai l'impression que je suis trop avancé. Attends, on va... C'est probablement ça, hein. Si je décale de 1 à droite... Ah non, c'est que c'est excentré de base, en fait. Ok. C'est-à-dire que sur les côtés, c'est bon, mais sur le devant... Bon, c'est pas grave. Ok, non, mais c'est bon à savoir, voilà. Faut découvrir ce genre de truc. Voilà. Donc. Quoique, en vrai, il n'y a pas grand intérêt à mettre ça. Si je mets des lignes, faut être cohérent dans la vie. Voilà. Pouf. Ok, on va être bien. Maintenant, continuons. Avec tout ce que je vois en face qui va bien sûr dégager. Allez. Tac. On va hop là, laisser ça comme ça. On va juste
démanteler au moins toute cette zone là. Pour au moins avoir un tant soit peu d'espace. Non, on va pas commencer à retirer les câbles, sinon ça va faire quelques problèmes. Voilà. Hop là. Voilà, on démontèle tout. Un projet qui n'aura jamais été achevé, celui-ci. Ce n'est pas grave. Tac, 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 tac. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être encore branché, donc ça va en vrai. Voilà, hop là. Même pareil, hein, ça, on va le dégager et on va le rebouger autre part. Bien. J'ai l'ascenseur orbital, bien sûr, mais plus tard, plus tard, plus tard. Tac, 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 tac. Très bien. Voilà. Donc ça, ça nous fait 90% du truc qui a dégagé. Voilà. Hop là. Voilà. Mais décidément... Voilà, merci. Ok. Ça fait vraiment 30 minutes que je suis en train d'enregistrer. La température de ma chambre où je suis en train d'enregistrer a déjà au moins augmenté de quelques degrés. C'est une catastrophe. Hop là, hop là, hop là. Hop là, hop là. Ensuite, customiseur, matériaux, non, motif, ligne centrée. Voilà. Voilà. Ensuite, customiseur, couleur, nuancier 12. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Maintenant... Alors, l'avantage, c'est que ce genre de pylône, on peut les emmener loin. On peut les emmener jusqu'à où? Ça, c'est une excellente question. Alors, aussi, il va falloir que je vois, que je regarde ça par rapport... au côté, hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, hop là. Tac, 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 tac. Ça marche pas très bien. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il veut le lier, donc c'est un peu compliqué. Attends. Comment on faut faire? Avec peut-être en appuyant sur le bouton, enfin en prenant les lignes. Encore une fois, c'est de la découverte. Hein. Je me suis que très peu spoil toutes les features. Je ne les ai que de nom. Voilà. Déjà, on a les câbles, ce qui est beaucoup mieux. Le câble est trop long. Ok, donc là, c'est trop long. Hop là, pareil. On vérifie que c'est bien centré. Ça en a tout l'air. Voilà. Maintenant.
On va continuer, customiseur, matériaux, motifs, ligne centrée. Avec bien sûr customiseur, un peu de couleur. Lui je l'ai peint, c'était pas volontaire. On va le laisser comme ça pour le moment, on verra pour les tout ce qui est code couleur un peu plus tard. Voilà. On va continuer à évoluer ici. Voilà. Donc, maintenant, continuons, customiseur, matériaux, motifs. Voilà, parfait. Customiseur, couleur, nuancier. Voilà, parfait. Ça, on va falloir mettre des trucs sur les rebords. Bah, peut-être qu'on mettra les murets en béton sur les rebords. Peut-être ça simplifiera la chose. Là, je suis en train de poser une question. J'imagine que oui. Mais ça va être à confirmer. Alors, il va falloir que je travaille un petit peu sur un peu tout. En fait, globalement, il faut que j'arrive à faire des routes qui mènent un peu à droite à gauche. Parce que là, ça paraît logique, hein, y a pas de souci. Le problème, c'est que... Où est-ce que je tourne ici? Je suis où déjà, personnellement? Oui, c'est vrai qu'on peut voir les exploités, les non-exploités, tout ça, c'est bien. Je suis là. Je pourrais tourner ici, me promener sur la flotte, pour avoir au moins avoir une route comme ça. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être vraiment pas mal. Tac, 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 tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop là. Voilà, customiseur, matériaux, motifs. Customiseur, couleur, nuancier 12. Ah, puisque sinon, ici, ça va être compliqué, en fait. Donc. Voilà. Après, rien n'empêche à tout moment de... Ok. De faire une bifurcation aussi, hein, bien sûr. On va, hop là, essayer de tirer un petit peu jusqu'au plus loin. Avec tout ce que je pose. Hop là, bien sûr, ça va aussi de dire changer un peu le système électrique, mais ça c'est un autre détail. Un peu là. Alors pas trop mal. Ouais. Voilà. Customiseur matériaux motifs toujours. Je suis content de voir un peu de nouveauté quand même sur ce jeu. Hein. Ça fait du bien. Parce que c'est vrai que j'y ai beaucoup joué sur l'ancienne version, hein, voilà, sur l'update 7. J'avoue que ça commençait à devenir un petit peu redondant sur certains points. Ou du moins, ça manquait un peu de nouveauté, mais ça c'est normal. Hein, quand on arrive dans une fin d'update, entre guillemets, c'est normal de trouver ça un peu redondant. Et je pense qu'elle est bien timée, bien que ce soit surtout une update graphique. Et petits détails en plus, moi je trouve qu'ils me font beaucoup plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop là, allons-y. Customiseur. La couleur.
Voilà. Donc là, on a le début de notre route. Ah, il y a tellement d'inertie et c'est tellement... C'est vraiment... En fait, c'est une idée de merde, le... Ah, c'est tellement une idée de merde. C'est très bizarre. Il n'y a plus de flotte à certains endroits. Et je pense qu'ils ont tenté d'améliorer la flotte, ce qui est une très bonne chose hein, dans l'absolu. D'ailleurs, je sais pas si on a encore Drazu dans cet update-là. Est-ce que Drazu et Capo sont en vie? C'est une excellente question. Ce serait dramatique sinon. Ce serait hautement dramatique. Bon, ça va assombrir considérablement la zone, bien sûr. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais? Si, changer et reprendre finalement le jetpack après moult regrets. Hop là, 1, 2. Beaucoup mieux. Voilà. Parfait. Donc, on fera les pylônes en dessous plus tard, hein, très clairement. Après, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça au plan. Ah. Faut réfléchir à ça. Ouais, mais le plan, il serait tellement... Non, c'est pas une bonne idée parce que c'est tellement aléatoire. En fait, ce serait bien pour pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités des plans. Mais étant donné que le sol n'est pas régulier en dessous, ce serait assez dangereux, je trouve, d'une certaine manière. Oh, l'effet est meilleur, je trouve. Oh oui, l'effet est bien meilleur. Ou c'est peut-être mon impression, hein, mais... Hop là, donc. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Parfait. Une électronimace violette tout en haut, je suis en train de le remarquer. Voilà. Alors, c'est toute une zone qu'ici, on a très peu exploitée au final. Hein. Mais bon. Il n'empêche que... Hop là. Voilà. Si, retournons-y. Ok, mieux. Mieux, 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 mieux. Ensuite, vous savez la formule, sauf qu'on va commencer à travailler un petit peu sur le premier virage de cette route. Customiseur, bien sûr. Couleur. Voilà. Il y a des foreuses. Faudrait que je fasse gaffe aussi à ça. Hein. C'est que faut pas que je passe trop au-dessus des forages. Sinon, ça risquerait de poser problème. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hop là. 5. Ouais, je l'ai mal foutu. En fait, je l'ai mis trop proche. Ah, c'est con. C'est con, c'est con. C'est pas grave. On va, hop là, pouvoir jouer des motifs. Donc. Hop là. Tac, 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 tac. Non, j'ai pas besoin de plus que ça au final pour le moment. Là, on va mettre customiseur, motif. Customiseur, couleur. Hop là, très bien.
customiseur, motif. Hop là, ça pour une potentielle suite. Donc là, ça donnera l'autorisation de tourner ou non. Hop là. Là, on va mettre une. Comment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va laisser ça comme ça pour le moment. On va laisser ça comme ça. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je remette un pylône. Alimentation. Ok. Allez, mais... Merci de courir. Nom de Dieu. Ah, on va en profiter. Je pense qu'en vrai, ça va finir par un épisode par Features, hein, quasiment. Hein. Voilà. Ensuite, il va me falloir un qui part par là. Et un qui pourrait potentiellement continuer par en face. Enfin, par la droite, on va voir ça. Au final, sinon, il n'y a pas grand intérêt, j'entends regarder de l'autre côté. Non, 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 ok. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Ça a bien fonctionné, je suis content. Donc là, hop, tac, 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 tac. Ça manque un petit peu de détails, hein, tout ça. Ça manque quelques petites features. Ce n'est pas grave. Mais ouais, ça manque un peu. Voilà. Voilà pour ce début là. Après on aura le dessous à faire et tout. Mais voilà, comme ça au moins ça sera un peu mieux. Ça aura un peu plus de tronche. Et comme ça on va pouvoir ramener toute l'électricité au sud. De ce côté là, on fera ramener l'électricité au nord, etc. bien sûr. Mais voilà, ça c'est ce que je voulais faire. Ah ouais. Mais il serait peut-être temps aussi de tester un truc que je crois que je n'ai jamais produit encore. C'est une tyrolienne. Tyrolienne. On va essayer d'en produire une. C'est pas le pot que ça va me coûter. Allons-y, testons-la. C'est l'occasion de faire des tests, hein, toujours. On redétruit toute cette végétation qui pose problème. Ok, très bien. Ah, je... Ouais. On va faire chier. Mais ça va être bien comme ça, ça va être très bien. Il y a tellement de trucs à faire. En fait, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire pour tous les épisodes. Il faudrait que je me consacre vraiment un épisode dédié sur plusieurs trucs. Enfin, il faut vraiment que j'essaie de focaliser des épisodes. Puisque j'ai tendance à divaguer beaucoup sur ces derniers épisodes. À vouloir tester un peu tout. Donc là, je vais juste tester la tyrolienne. Sauf que c'est vrai que j'ai viré ce qui permettait de produire des objets. Donc... un repousse Xenos. Je sais que dans le conteneur du bas, il y avait Phylactif. Non, c'est pas le conteneur du bas. Non, je crois qu'il y avait plus que... Bon, c'est pas grave. Tyrolienne, bien sûr. Hop là, parfait. Maintenant, nous allons monter... ici. Et voyons voir ce que ça va donner.
a l'air de bien fonctionner, hein, de toute façon. Ok. Ouais, ça marche plutôt bien. C'est cool. C'est cool. Normalement, il n'y a même pas besoin. Voilà, ça, c'est parfait, ça. Ce principe-là est excellent. Ah, ça va nous sauver la vie. Ça va être enfin intéressant d'avoir une tyrolienne. Vraiment. On a tellement de trucs à nettoyer, au secours. Allez. Tac. Voilà. Et bien sûr, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Prochain épisode, bah, en fait, j'ai envie de dire, je sais pas, parce que vu qu'à chaque fois j'improvise et je pars dans des délires absolument débiles et incommensurables, je ne peux pas prédire ce que je vais faire, même si j'enregistre peut-être l'épisode prochain directement, je ne peux pas vous le prédire. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.